Bonjour tout le monde. Alors, j'ai pu avancer un tout petit peu en info. Enfin, un tout petit peu, j'ai quand même pas mal avancé, en fait, on va dire quand même. La dernière fois, j'avais juste visité, il me semble, cette petite partie-là. Donc, comme vous pouvez le constater, je me suis un petit peu baladé de l'autre côté de l'île. En fait, il y a deux parties. Alors là, je sais pas, en fait, si ça je rejoins, non, je ne pense pas. Et peut-être que ça va un petit peu plus haut, je ne sais pas encore. J'ai pu récupérer également l'emplacement de l'aîné. En tout cas, un emplacement. Il me semble qu'on pouvait, en tout cas à l'époque, récupérer deux emplacements pour ça. J'ai également, avec un peu de chance, vu que j'avais le commerçant qui était juste là-bas. D'ailleurs, on va aller faire un tour immédiatement. J'ai pu également construire la fonderie et puis le truc pour faire les mon Dieu, le charbon évidemment. Bah, j'ai déjà récupéré ça là, normalement c'est tout plein, c'est tout bon. Je me suis fait également la forge, ce qui m'a permis de me faire l'épée en bronze, jambière en plaque de bronze, et cuirasse en plaque de bronze et le casque en bronze. J'ai fait aussi derrière la pioche de bois de serre, vraiment pour récupérer le minerai d'étain et puis de cuivre. Du coup, là c'est vrai que j'aurais pu me faire des flèches supplémentaires. On ne sait jamais, je risque quand même d'en avoir besoin. J'ai juste, normalement, est-ce que j'ai des plumes? Oui. Juste à prendre 20 comme ça. Je vais juste remonter à 100 quand même. Le bois, il est là. On va prendre les 20 ici. Ah, il me faut du. Ah, quoique, ouais, je pourrais passer aussi l'axe directement en fait. On va faire ça. On va passer aussi l'axe. J'aurais bien voulu quand même me faire des flèches en bronze, mais là du coup j'ai tout claqué pour le stuff que j'ai. J'ai évidemment pas amélioré. Je suis au niveau 2 en tout cas avec la forge. C'est vrai que l'amélioration me demande. Ah, juste 3 bronzes pour chaque truc. Sauf celui-là, 8, mais ça c'est pour le niveau 3. Je ne peux pas faire pour l'instant. Il me semble que j'ai vraiment que l'enclume hein, pour ça en ce moment. Je devrais me faire aussi des donjons, c'est toujours utile. Pourquoi j'en ai fait qu'un? Non, 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 il me faut plus qu'à ça. Ah, mais j'en ai plus assez, c'est quoi? Du bois, d'accord. Vas-y, hop, 50, on est tranquille. Juste me faire ça, et puis on est tranquille. Ouais, j'en fais 100 comme ça. Voilà. On va ranger les plumes. Le silex est au même endroit. Ça et ça. Et puis les flèches, on va pouvoir mettre là-bas. Bien. On va faire comme ça me fait deux rangées. Je vais juste quand même aller voir. Et puis je me suis fait une petite protection aussi autour parce que là je me suis installé donc évidemment au nord. La forêt noire est juste là, donc j'ai voulu justement m'installer à côté de la forêt noire. D'ailleurs, c'est par là qu'il faut que j'aille. Pour récupérer du minerai sans trop m'emmerder. Et heureusement. Bon, par contre, là, j'ai perdu un petit peu de vitesse, hein, puisque l'équipement que je porte maintenant est un petit peu plus lourd. Et je perds 5%. Alors, je sais pas si c'est 5% par pièce. Moins 5%. Total moins 10, ouais, donc c'est les deux, ouais, ça, je perds rien, moitié. L'épée, c'est vrai que je m'en souviens que dans mes dernières parties, j'ai toujours pris l'épée. Alors, c'est efficace pour ce type d'ennemis, mais pour les squelettes, il y a mieux. Enfin, bon, bref, c'est toujours mieux que. Eh ben, d'ailleurs, j'ai gardé le gourdin. Et puis la lance. La lance que j'ai balancée. Par contre, le gourdin, bon, j'ai quand même. Ben, voilà, maintenant je l'ai. Je vais les garder pour l'instant. Là, je vais pas me faire de donjon tout de suite. Peut-être au retour. Là, j'ai juste allé voir l'emplacement du commerçant. D'ailleurs, je suis pas trop loin. J'ai pas voulu m'installer à l'intérieur pour le moment. En tout cas, pas à l'intérieur de la forêt noire. Et là, je suis quand même très proche. Du coup, c'est vrai que je subis quelques petites attaques des PNJ justement qui se trouvent dans la forêt noire. Ouais, on a un gros dépôt de cuivre, mais c'est bon, j'ai noté. Ah bah tiens, ça c'est bien. Il va me falloir justement pour l'aîné que je récupère. Que je récupère des graines. Je me suis fait repérer? Non. Par contre là, on a un violet. Et le violet, je crois qu'il est quand même costaud. C'est deux étoiles. Le premier des étoiles d'ailleurs que je vois. Par contre, il faut que je rush un petit peu.
Alors, il y avait une autre solution aussi, c'était d'attendre que les ennemis sortent, et puis il y avait des chances que. Comment il s'appelle déjà là, le magicien, là, le guérisseur ou je ne sais quoi, lâche justement une graine. Alors, va falloir sauter un petit peu, quoi que non, ça va. C'est les marécages où, où il y a les sangsues. Alors, ce que j'aimerais bien par contre récupérer, moi, c'est de la bouffe. La baie a des squelettes. Ouais, donc on l'a. Normalement, il garde. Il garde normalement un donjon, mais. Bon, pas toujours, mais. Il devrait peut-être y avoir quelque chose. Oh, j'ai plus d'endurance. Ouais, il y a bien un donjon. Là. Bon, c'est quand même assez efficace contre ces squelettes-là. Ah, non. Contre ces squelettes-là. Du coup, le donjon, je vais juste l'indiquer. On va sûrement le faire au retour. nager, je sais pas si c'est. Bah, il est juste là-bas. Est-ce que j'oserais nager? Ouais, je pense que ça devrait le faire. Au pire, je perdrai un petit peu de vie. Je crois que c'est ce qui va arriver d'ailleurs. Pas grand chose, ça va. Ça, on remet. Est-ce que ça va encore plus loin? Mais bien sûr que ça va plus loin. D'ailleurs, je vais pouvoir récupérer ma troisième graine. Après, j'ai juste à faire un radeau et puis à me balader jusqu'à l'aîné, me faire une autre, un petit avant-poste d'ailleurs. Et puis j'aimerais bien savoir ce qu'il y a. C'était ça qu'il me fallait, il m'en faut 950. Le Megging Yord. La canne à pêche. Ça, je crois que je ne l'ai jamais fait, la pêche. Mais d'accord, ok. Il n'y a pas grand-chose. Je sais que, pas pour la dernière mise à jour, mais il me semble qu'une des dernières mises à jour. Il y avait la possibilité, enfin, il y avait un deuxième vendeur, je crois, si j'ai bien lu, il y avait quelque chose dans le genre. Ah, tiens, là, il y a du minerai. De l'étain, ça pourrait être pratique. Par contre, il y a beaucoup de flotte. Ah, il y a un autre donjon, peut-être. Ouais, sûrement. Caché là-bas derrière, venez par là. Bon. Ah, là-bas il y a du troll. Et un donjon ici. Tiens, puisque tu viens vers moi, toi. Toujours utile. Le donjon ici. Est-ce que je me le ferais? Par contre, la grotte de troll. Ouais, quand même que j'aille voir une fois à l'intérieur. Alors des fois il y a un troll à l'intérieur, des fois pas. Je sais pas si ça a changé à ce niveau-là. Mais maintenant que je suis mieux occupé, équipé, je veux dire, pas occupé. Je me demande vraiment jusqu'où ça va. Mais généralement la première île, c'est l'une des plus grandes. Ça apparemment ça n'a pas changé. Ah bah tiens. Ah oui, mais alors lui non. Par contre, c'est pas le truc qui m'intéresse, c'est ça. C'est bon, maintenant, ça c'était mon troisième. Il m'a quand même repéré ce salon. Ouais, quand même, hein. C'est qu'il me chope. Ouais, c'est pas bon. Comment est-ce que je peux faire pour récupérer de la vie? Parce que là, je suis quand même loin de ma base. Si je me fais avoir, il y a encore un autre donjon là-bas. On va essayer d'aller. Par contre, ils ne se battent pas contre le troll, malheureusement. Ah si, peut-être.
meurt même pas, nickel. J'ai déjà récupéré un petit peu de vie. Bon, en même temps, ça me permettra. Ah si, quand même. Sur Bell White. Oh là là, oh! Tu vas où? Il va où ce con? Il récupère pas quand même pas sa vie. Ah ouais, mais bon, va falloir quand même que tu arrêtes de bouger. J'arrive pas, j'arrive même pas à le toucher. Bon, bah tant pis. Du coup, donjon ici. Si jamais j'ai vraiment besoin de récupérer des pièces à l'intérieur, quoique, allez, vas-y, on va descendre ici. On va se faire celui-là. Juste histoire de récupérer même des champignons, c'est déjà sympa, mais si je peux récupérer des cœurs de sortling, un truc comme ça, je crois. Si c'est bien comme ça que ça se nomme. Là, y a rien. Là, nous avons 1, 2, 3 fantômes. C'est bien, ok. Cœur de Sertling, ouais, c'est bien ça. En fait, il faudra peut-être que je me fasse aussi un bouclier. Ah voilà, donc là, c'est deuxième emplacement. Donc là, j'ai le choix entre ces deux-là. Ça, j'en ai besoin. Il va m'en falloir quand même pas mal. J'espère que je serai full. Donc ça m'en fait 3, 4. C'est vrai qu'il y a un passage secret là. Ok, ça n'est sûrement pas un. Voilà. Il y a beaucoup autre chose, non c'est tout. Ok, première porte, c'est bon, deuxième porte. Ça m'en fait 5, nickel. J'aime récupérer beaucoup comme ça. Et ici. Ah merde, il me reste 30 secondes. Oulala, alors par contre là je vais avoir un problème avec l'endurance. Je vais pas regarder la remise en forme. Hein. Tout la mise en forme. Ça va quand même beaucoup mieux avec cette épée. Ah ouais. Ah oui, ça c'est bien, ça, j'aime ça. Là j'en ai des choses. Hein. Oh là là, et j'en ai récupéré combien, j'y compte même plus là. J'en ai récupéré 10. Alors, Malte, non, c'était. 10, même 13, ok, parfait. Je pense que je vais pouvoir rentrer, de toute façon j'ai pas le choix. On est dans un abri, enfin bon, bref, il me reste encore une porte d'ailleurs, je crois, ici je vais fouiller. Ouais. Non, je les ai tous fait. Ok, nickel. Juste bouffer ça, et puis on va remplir ça également, comme ça au moins. Bon, l'endurance est au maximum, et ma vie également. Celui-là, il est ok, donc j'ai pas tout fouillé, mais je sais pas si ça va aller encore bien loin. Là, il y a encore de l'autre côté. Ah ouais, quand même. Non, mais ça continue. Hein. Et les montagnes, peut-être que c'est une autre île, je suis pas certain. Est-ce que j'irai quand même là-bas pour me faire encore une graine supplémentaire, puisque c'est là. J'aurais bien voulu revenir quand même avec un petit peu de d'étain, parce que je n'ai plus trop vers chez moi. Mais bon, c'est facilement retrouvable, hein, de toute façon. Pas de problème.
bah tiens, un chaman. Est-ce qu'il va me donner un autre... Ça n'a pas l'heure, hein. J'en ai 3. Ok. Je pense qu'il va commencer à faire nuit, du coup... Là, je vais passer par ce côté-là. Je vais couvrir aussi de ce côté. Mais je vais plus souvenir en fait que les cerfs ils se baladaient dans le coin, dans la forêt noire. Ah mais j'ai en fait, je crois, mais pas, je crois pas prendre grand chose, donc ok, moi j'ai plus de place. J'ai eu de la chance. Très efficace cette épée. Moi je pense que pour faire l'aîné, honnêtement, avant de partir, je pense que j'ai quand même me construire le radeau. Mais, ou alors, non, façon radeau, c'est pas bien compliqué, j'ai tout ce qu'il faut. Je pense que l'idéal tout de même, ce serait de partir directement avec des flèches de bronze, parce que l'aîné, normalement, je ne le fais qu'avec l'arc. C'est un bon moyen de l'éliminer. Donc à distance. Parce que je crois qu'il balance des sortes de racines ou de je ne sais quoi. Je me fais juste le bord de mer là. Comme ça je vois un peu la limite. J'aurais pas besoin de revenir en bateau. Sachant déjà jusqu'où ça va, à peu près. Donc là c'est pas bien large hein, de toute façon. Je peux même récupérer ce que, ce que tu lootes, toi non plus. Allons fouiller un petit peu par là-bas et après on va pouvoir se faire un petit somme. Et puis je pense que je construirai quand même quelque chose, une sorte de base plutôt intéressante, mais ce sera qu'à partir du moment où j'aurai passé, où je serai en tout cas sur bah dès que je pourrai construire de toute façon les portails. Je sais pas si ça se fait d'ailleurs. Non. Mais je sais que j'en aurais besoin aussi des graines pour autre chose après. Mais ouais, au moment des portails, et puis je crois que ça se fait au moment où nous allons directement sur dans les marécages, il me semble. Dans les marécages. Il y a une partie là-bas, mais bon, c'est pas ce qu'il me faut. Il va falloir que je parte en balade et ça je ferai en off parce que le radeau ça va être vraiment très long. D'ailleurs, je pense pas que je vais faire ça avec vous parce que c'est tellement lent et chiant que ça va me prendre une heure pour passer une île. Je trouve pas ça franchement très intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, est-ce que je vais devoir prendre quand même assez rapidement, ça va être le petit sac que le commerçant me revend. Ça, ça va être intéressant. Alors je sais plus si ça me permet de porter plus ou plus lourd. Ou les deux, je sais plus. Ça fait vraiment longtemps. Enfin, ça fait pas si longtemps que ça, mais... Ça fait quand même un petit bout. Voilà, il y a des trucs, ça, franchement, trophée de cerf, ça, c'est toutes les choses que je pourrais balancer. Si jamais je trouve quelque chose d'intéressant. Allez, c'est tout droit. Un donjon, je pourrais m'en refaire un, mais là, je trouve que ça sert à rien. Voilà, comme ça. Alors, c'était peut-être pas... Ah non, c'est peut-être les brutes, en fait, qui me donnent le... Ah bah non. Qui me donnent la graine. Qui loot parfois la graine. De réparation, mais pas grand chose. Est-ce que j'ai de la place pour des plumes, moi? Des plumes, je vais toujours en avoir besoin, c'est toujours utile. Ah, mais je pense pas à mon endurance. Oh là là. Non mais c'est vrai qu'il faudrait quand même que bah, j'augmente déjà
décor en fait, c'est pour augmenter mon temps de repos. Malheureusement, il me semble que de toute façon, pour le moment, je ne peux rien faire. Il va falloir que j'avance encore un petit peu. Pas grand-chose à faire là. Je n'ai pas les moyens de construire quoi que ce soit d'autre. Mis à part le tapis. Alors après, je sais pas si certaines choses. Est-ce que c'est indiqué d'ailleurs? Si je mets là par exemple le tapis, non ça me met rien. Hein. Je sais pas si c'est dans ma map ou quoi, mais si par exemple je construis un chandelier, je crois pas que ça va m'aider. Hein. Enfin je ne crois pas, j'en suis pas certain hein, non plus. C'est pas grave, faut avancer et récupérer certaines choses. Alors lui j'ai éliminé parce qu'il va m'emmerder sinon. C'est le truc de merde là, comment ça s'appelle? Les dégobibères. Voilà, ça se fait un peu pénible. J'aurais dû peut-être m'éloigner un tout petit peu plus de la forêt noire. Histoire d'être un petit peu plus tranquille. Oh là là, c'est bon, oui? Ah, moi aussi je peux tirer à distance. Je les touche pas, mais. Il y avait encore un autre. Ça commence à bien faire. Il est où? J'en entends un au loin. Il est là. Bien, allez. Maintenant, normalement, je devrais être tranquille. Ah oui, puis j'ai fait exactement la même chose, sauf que l'intérieur est un tout petit peu plus grand que la première cabane que j'ai faite. Et puis, alors là, par contre, j'ai pas mal de choses à balancer. Donc ça, je vais pas en avoir besoin tout de suite. On va mettre là, ça. Par contre, ça, oui, bon, ça, on mettra après. Après, on va voir ce qui rentre. Mais je crois à rien d'autre. Cela, on va le mettre là. Voilà, je pense que je vais mettre ça là également. Bon, la pierre c'était là. Le bois là. Ça. Ouais, le rangement. Toujours du rangement. Je les ai mis où là? Ok, combien est-ce qu'il m'en reste d'ailleurs? 4, 4, ouais, c'est parfait. Ok, allez, je répare vite fait tout ça. Mais par contre, je sais pas pour quelle raison est-ce que je ne peux pas construire. Enfin, crafter la cape de troll. Je sais plus si ça avait une meilleure armure, si ça me donnait quelque chose ou pas. Bon, ça y est. Un ennemi pas loin. Donc je pense que là je vais rusher, je vais faire un petit peu encore. Ah, du poisson. D'accord. Je vais me faire un ou deux donjons. Il y a combien de temps? 24 minutes déjà. Et ouais, il y a pas mal de poissons là, hein, quand même. Je vais pas non plus commencer à miner, ça c'est également chiant. Ça prend pas mal de temps. D'ailleurs, j'ai l'impression que j'aurais récupéré quand même un petit peu plus avant du minerai. Pas d'étain. L'étain, ça va par 4. Et ça casse quand même plutôt facilement. Je vais me faire ce donjon-là et puis peut-être celui du dessous, là. Même sûrement. Si j'y mets tout posé, on est tout bon. Ouais, c'est ok. Et puis après, je passerai directement. Et rapidement sur les nez. Et normalement, je devrais peut-être trouver du temps pour. Non, c'était vraiment celui dessus. Pour me balader en radeau. Et je pense que je vais partir d'ici, je vais descendre pour aller jusque-là, quoi. Donc ça prend quand même du temps, je pense. Ou alors de l'autre côté, non, le plus proche, c'est vraiment celui-là. Donc je vais faire ça. Non, il n'est pas bon, mais. Merci.
toute façon, je vais rentrer directement. Je vais même pas m'occuper de ces morveux. Une perte de temps. Allez. J'attends juste que je reprenne mon souffle. Ah, il y avait un troll. Oh, les viandes. Je vais en profiter aussi. De toute façon, ça s'accupère quand même assez facilement. Ok, bah on commence par ici. Donc là, il n'y a rien. Ce que je cherche, mais bon, l'argent aussi, hein, j'en cherche, ça, y a pas de souci possible. Là. Okay. Allez, on continue. Alors, je sais pas si vous voyez grand chose en fait là, dans le donjon, vous devriez voir quand même un petit peu. Alors des fois on peut récupérer beaucoup hein, de ces trucs là, les cartes de Sartling. Et d'autres fois on n'a pas grand chose. Il me reste 9 minutes. Je vais m'occuper. Ah, il y a un gros là. Et ouais, j'aurais peut-être dû aussi me crafter un... De me crafter un bouclier. Le bouclier en os, par exemple. C'est tout, hein? Ok. Bon, bah c'est réglé, c'est poutré. Merci, au revoir. Ah non, il y avait ça aussi. Ok. Voilà, c'était fait. C'était le dernier, je crois. Exactement. Allez, let's go. Donjon terminé. Je vais quand même me faire vite faire un deuxième. Comme ça, des cartes de Sartling, ce sera tout bon. Ah, lui, il m'a pas lâché. Hein. Oh, je vais pas faire comme dans l'autre, hein, quand même. Je sais pas si c'est moi qui bouge ou si j'ai vraiment pas de chance. Non, je crois que c'est moi qui bouge. Je fais n'importe quoi. Par contre, ouais, je sais pas si j'aurai le temps vraiment. Bon, je vais quand même me faire le troll parce que ça va être utile. D'ailleurs, il y a un autre donjon ici, j'ai l'impression. C'est très risqué là, ce que je vais te faire. Est-ce que tu bugs ici? Oula! Pas totalement. Alors, je vais d'abord m'occuper du troll. Ok, encore un coup, puis c'est bon, je pense. Voilà. En plus, il me donne des sous. Trophée de troll. J'ai combien de sous ici? 90. Je sais plus, c'était 150, hein, je crois. Le donjon, je pense que je vais vite me faire celui-là. Il me reste pas de place, mais c'est pas grave. Je crois pas que je vais récupérer autre chose de toute façon. C'était lequel? C'était celui-là en fait que j'ai fait. Et puis on grandit également celui-là, donc ça m'arrive quand même hein, de
d'en louper, mais celui-là était un petit peu caché. Si je suis passé sur le côté, évidemment, j'aurais pas pu le voir. Et peut-être que j'avais déjà éliminé les squelettes. Alors. J'essaie quand même de le toucher un petit peu. Après, au pire, si je peux tout prendre, je sais que j'ai des choses que je peux me permettre d'éliminer de mon inventaire. On va passer par là d'abord. Ça sent le labyrinthe un petit peu là. Ça m'a l'air quand même assez grand. C'est-à-dire pas grand-chose, allez, 4 minutes. Ça y est, je suis perdu. Non, c'est par là. Et c'était ce côté que je n'avais pas fait, il n'y a rien à récupérer. Nickel, allez, prochaine porte. Ça, c'était fait, la dernière. Et bonjour, bonjour là-dedans. Là-bas, c'est intéressant. Plus personne. Qu'est-ce qu'on a? On va supprimer ça. Quand même beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important. Là, on va pouvoir supprimer ça. C'est tout, des fois faut quand même bien regarder par terre. Ok, il y avait encore quelque chose que je devais voir. C'était ici, il n'y a rien. Merci. Ok, bah je pense que c'est tout bon. Ok, non, ici j'ai fouillé, oui. Ouais. Ok, allez, je rentre à la base. Il me reste quoi, 2 minutes 11. C'est faisable. En tout cas, j'ai pu récupérer quand même certaines choses. Donc, je sais plus exactement. Merci. Vous êtes venu vers moi. Très utile. Allez. Dans cette direction, tout droit, et on y arrive. D'ailleurs, je me demande si les cartes de Certling c'était pas également pour justement les portails. Pas certain. Il y a des chances. Mais pour une autre construction, c'est sûr. Écoute, si tu restes là comme ça, hein, tant pis pour toi. Là il y avait du minerai de cuivre, là il y en a encore. Ah bah c'est celui que j'attaque d'ailleurs. Et du cuivre il y en a de toute façon ailleurs, ça va pas être un problème. Mais c'est vrai que dans ce jeu, en tout cas en début de partie, alors j'ai pu voir justement en commentaire, on m'avait dit tu as le temps, etc. Mais là j'aime pas trop traîner au début. J'ai envie d'avancer quand même assez rapidement, que je puisse commencer à me construire quelque chose d'assez sympa. Même juste en bois, hein, mais... quelque chose de plus grand où je me sens franchement chez moi.
Parce que là, je me sens vraiment comme dans un avant-poste. Hein. Mais là, c'est passé en base principale pour le moment. Je n'ai même pas les portes, je sais même pas où est-ce que je peux récupérer ces portes d'ailleurs. Enfin, où est-ce que je dois rechercher encore pour que je puisse en crafter, en fabriquer plutôt. Ici, j'ai rien. Le reste, y'a rien. Comment ça, y'a rien? Ça pour les squelettes. Ici pour les bêtes, mais je n'ai pas par contre. Ça. Ça, c'est vrai que je pourrais m'en faire encore un petit peu, j'en ai plus que 6. Mais la cape de troll, moi, il me semblait. Alors, je sais pas s'ils l'ont supprimé, mais je sais que. Il me semblait que c'était en ayant récupéré directement une peau de troll. Alors, peut-être qu'il me faut encore autre chose également à côté. Ah, mais j'ai ça. Ah, mais j'ai plus de place. On va poser ça à la place. Je pensais avoir fait assez de coffres, mais en fait pas du tout. La thune là. J'en ai 240, donc je peux déjà acheter une pièce avec ça. Désolé, je sais pas si je parlais dans le vide tout à l'heure. Mais je peux déjà m'acheter une pièce au marchand avec les 240. Pot de troll, ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Non. Pas bon. Faire comme ça. Puis dans les plumes là. Oh là là. C'est un peu de faire ça. Ça traîne un petit peu autour. Ouais, il me faut de la place. Bon, pour le moment. Je vais pouvoir me permettre de le mettre ici. Et puis, écoutez, voilà, on est à combien de temps? Ouais, 35 minutes, je pense que je vais m'arrêter là. Ensuite, je vais de toute façon avancer la récupération de ça. Parce que là, j'ai plus qu'un cuivre, il va m'en falloir encore pour fabriquer du bronze et des flèches en bronze. Et après ça, bah, j'ai pas grand chose hein, que je puisse construire. Mis à part un deuxième four à charbon, mais ça je pense que je le ferai à la nouvelle base dès que je construirai ailleurs. Ah oui, il y a ça à poser également. Ok, allez, on est tout bon. Je sauvegarde ici, je vais m'arrêter là. Et je suppose que je vous reprendrai une fois arrivé sur l'île hein, qui se trouve dans le coin. On verra où est-ce que je pourrais m'installer. Et puis écoutez, voilà, je pense que je m'arrête ici, c'est tout bon. Allez, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!